Retirer de l'argent, un geste qui devient de plus en plus rare dans les territoires ruraux. Les distributeurs de billets disparaissent des villages, alors celui de Kalaguch, installé en 2014, fait l'unanimité. Très important, parce que déjà que dans le rural, il n'y a plus rien. En plus, il faut se déplacer sur Corteo Bastia quand on va retirer un peu d'argent. Déjà qu'on supprime des tas de services, donc pour moi c'est utile et indispensable. Même satisfaction pour les commerçants dans une région où l'autre distributeur le plus proche est à 30 km. Je ne pense pas qu'ils s'arrêtent plus, mais ça facilite le fait qu'il y ait un distributeur, ça facilite tout. Donc pour les paiements, c'est très bien pour la région. Pour lutter contre la désertification bancaire, le Sénat a adopté une proposition de loi. Deux mesures principales sont envisagées. Les communes pourront mobiliser un fonds d'aide à l'installation d'un distributeur qui ne pourra fermer que s'il en existe un autre à moins de 10 km. Une disposition qui protégerait celui de Kalaguch. Une satisfaction pour le maire qui y voit un vrai service public. Et pour la population de la commune, bien sûr, du canton, des touristes en été, Dieu sait s'il y en a, et aussi des randonneurs qui sont nombreux parce qu'ils sont sur le GR et des fois ils ont besoin de liquidités. Au lieu d'aller à Corté ou à Calvi, ils s'arrêtent à Kalaguch. C'est très bien. Et c'est un plus pour le commerce aussi. La Poste n'envisage donc pas de supprimer ce distributeur en dépit d'un coût de 12 000 euros par an. Il est clair qu'un distributeur de billets nécessite un nombre de retraits minimum pour, en termes de fonctionnement. Le gap de Kalaguch, bon, il fonctionne, il n'est pas à hauteur effectivement, des niveaux de rentabilité qu'on peut avoir exigé, notamment dans le domaine urbain. La proposition de loi sur la désertification bancaire doit maintenant être examinée par les députés.